Bonsoir à tout le monde. Salut Ayoun Bambakarakam, salut. Pierre l'original, Sogigay, salut, Bakenyaï. Alors j'espère que vous allez bien. Samandiaï, ça va? Saïd Sal, bien sûr. Bonsoir Omar Diallo. Nous sommes à 146. Salut Sangoné. Ok. Nous allons démarrer sous peu. En attendant, je vais essayer de mettre le thème. Alors, nous allons parler aujourd'hui de l'état d'urgence, du non-respect, de la raison pour laquelle les gens ne respectent pas le couvre-feu également, les mesures préconisées, mais surtout nous allons voir quelles solutions adapter face à cette situation. Abdel Ben Aboubakar Diop, salut. Je vais saluer par personne, le temps que Nyene Nino. Nous sommes à 259, peut-être quand on aura 300, nous allons démarrer. Cher Mohamed, Hadim Bamba, Aminata Amina Sow, Yaya le Catalan, Mohamed Sambadja, bonsoir. À 300, nous allons démarrer. Jean-Charles Dembawad, ça va? C'est le corps de la telle diapositive. Ah bon? Pourtant, j'ai pris des jours. Je croyais que corps de la Omar, Lo, Abouka. On est à 300, hein, les gars. Donc, on va essayer de démarrer rapidement. Aujourd'hui, je ne vais pas faire une heure de temps, comme l'autre fois. Je vais juste essayer de parler de l'essentiel. Comme annoncé tout à l'heure, donc nous allons parler des mesures préconisées mais qui ne sont pas respectées. Mayrafa Koulibaly, salut. Balle Job. Je salue tout le monde. Bonsoir Fodé. Bonsoir Eli. Eliob Habib. Fabia Touré, bonsoir. Merci beaucoup. Tout une âme 500 vues. Wow, pourquoi pas? Pour permettre aux autres de, voilà, de venir avant qu'on entre dans le vif du sujet. Hadim, ça va? Nous sommes à 200, d'accord. Alors, bonsoir à tous, on est content de vous. Merci beaucoup. Coucou Ndey Maguedjo. Merci beaucoup, Maimouna. Maintenant, à 400, nous démarrer. Merci, Faldis. Merci, c'est gentil. Alors, je vous avais dit tout à l'heure que Denis Wartan, français Agwolof, parce qu'il y a des gens qui se trouvent sur la page, qui nous suivent et tout. Ils nous suivent, donc, nous Wolof tout simplement. Donc, Denis Wartan, les français, de ce fait. Parce que le Wolof bu dégoul français sax mo gëna mëna capter que ko xamanteni dégoul Wolof nga koy lak français. C'est ça en fait. Donc je vais essayer de mixer un peu. Voilà. Alors aujourd'hui nous allons parler de des mesures de prévention qui ont été préconisées, l'état d'urgence qui a été décrété, mais jusqu'à présent ñi ngi gis que né respecté wuñ ko. C'est vraiment malheureux parce que décrété un état d'urgence il y a à peine quelques jours. Bah t'as nous bailler pour leur amener à activités non essentielles, peut-être qu'il y a un marché, arrêter les ramener moment de voyage entre régions et tout ça. Mais malgré tout cela, alors nous avons tout à l'heure, j'avais donné comme thème le pour le cause, les causes et
Tout à l'heure, nous avons peut-être pour trouver une solution par rapport au thème de ma durée, les causes et solutions. Pourquoi je parle des causes? Parce que, vous savez, état d'urgence, quand on le décrète, nous ne pouvons pas avec demi-mesure. État d'urgence, nous ne pouvons pas avec demi-mesure. Tout simplement parce que c'est une période pour Hamantani. Ce n'est pas pour rien, Mudjul, président de la République, vote-t-il que la loi d'habilitation, dur que le pouvoir y peut. Banyadjar, Assemblée nationale, Banyadjar, si yenen ak yenen, pour rek affaire y nek fast track, affaire y gao, pour qu'on puisse vraiment xam fouñu meuna situé wo et de manière très rapide. Donc dans ce cas, lolu warul and ak ay demi-mesure. Quand je parle de demi-mesure, c'est parce que moi je vois que mënon nañu out yenen mesure yo xamantene. Bon, je dirais pas mesure parce qu'on a fait le minimum. Le ministère, l'État et tout ça, ils ont fait le maximum pour pouvoir accompagner l'état d'urgence. Mais on voit carrément que c'est l'application qui pose problème. Application état d'urgence, bon ou non, moi poser problème, tout simplement parce qu'il y a des gens, ils sont là, ils sont prêts à ne pas respecter les mesures préconisées. Ils sont là, ils sont, voilà, comme d'éternels récalcitrants. Donc moi, je me dis que quand Binga Hamantani, décrète un état d'urgence, en même temps, il y aura des gens qui vont dire niet à toutes ces mesures-là. Donc, quand je vois transport, il continue la bataille. Les gens sont toujours là à se rassembler de part et d'autre. Des gens qui sont là et qui ne respectent absolument rien. Donc moi, je me dis que on n'est plus à l'époque ou à la période de sensibilisation. Pour dire vrai, on a absolument dépassé l'époque ou cette période où on sensibilisait pour que niti xam lu ñu wara def. Actuellement, nul n'est censé ignorer les gestes barrières et tout ce qu'on doit faire pour éviter propagation du virus B. Donc, l'heure n'est absolument pas à la sensibilisation. On doit franchir une autre étape. Amna ben étape bu ñu wara franchir, am lenen lu ñu wara def, c'est-à-dire on doit absolument passer à l'étape supérieure. Quand je dis l'étape supérieure, moi, durcir les mesures et sanctions, il faut que l'on soit ferme. Ferme sur les sanctions, ferme sur les mesures. Amul ay demi-mesure, on est à l'état, en état d'urgence et état d'urgence andul ak ay demi-mesure, voilà, lo xamanteni dang koy voilà, dang koy ki de manière très superficielle. Non. Il faut que nous jox leçon ñi nga xamanteni à travers deux personnes. Voilà trois, voilà, je ne sais pas, mais il faut que nous commençons ici. C'est-à-dire, Dieu définit. Mais jusque-là, on voit des gens qui continuent de transgresser ces règlements et décrets. Mais sanctions, si on a un titre ou le dissuader des gens, à mon goût, bataille. Il n'y a aucune sanction pour maintenir une fermeté stricte. À mon il faut que nous fassions des sanctions pour maintenir. Ça va répondre à hauteur de leurs actes, de ces actes, de ces récalcitrants-là. Pour servir de leçon, bien sûr, à ces gens qui sont là et qui disent que, voilà, soit le coronavirus existait ou voilà, ils sont là à faire des... utiliser toujours les transports interurbains pour pouvoir défier tout ce qui a été établi. Et c'est vraiment malheureux. Parce que, yo, mito ksekir, bul yakane sax lolu lolu ñi ñi kay def sax yow sa bop tu vas savoir que ni defuñu ko ñom kessé sen bop mais c'est comme si tu étais concerné parce que mën nga tok sa kër mais si des gens ne respectent rien mën nañ la sax fekk ci sa bir kër yow mi nga xamni defo dara mën nañ la fekk ci sa bir kër voilà lor la indil le virus bi et bu boba day nek lo xamanteni ça va être très difficile à gérer et surtout j'insiste sur nos réalités socioculturelles parce que voilà nous avons un peuple qui s'accroche à ses traditions, à sa culture et tout ça. Donc il faut savoir communiquer les gens selon la réalité culturelle, selon les traditions, la réalité socio-économique et voilà. Donc je trouve moi assez communication bi nga xamni fofu lay ñew tout de suite là communication bi nga xamanteni employé nañ ko ci affaire ou gestion COVID-19. Moi je trouve la communication
vraiment pas de amoul rigueur et ce n'est pas non plus exhaustive. Le ministère de la Santé, c'est vrai, Niri Def Effort a vraiment salué, de même que les forces de l'ordre et tout ça, mais je me dis que chaque peuple, surtout en période de crise, chaque peuple a façon bingawara ban emploi ban communication gawara employé. Nous sommes un peuple très obstiné de nature. Les gens s'entêtent parce que dañu am yenn croyances yi yo xamné dañ leen koy nangul, mais état d'urgence lañu wax. Ce n'est pas pour rien. État d'urgence, en fait, c'est une période bo xamanteni tolérance tolérance ou voilà, indulgence, clémence et tout ce tralala. Non, 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 non. État d'urgence, c'est état d'urgence. Quand on dit état d'urgence, les sanctions doivent être sévères pour les récalcitrants qui disent que nous beaucoup nous respecter. Donc, t'es lolo, ça devrait être prévisible pour Nicolas parce que il faut tout le temps boire des bonnes affaires. Il faut tenir en compte de tous les paramètres. Une bonne société a mal affaire et tout ça. Donc, quand je vois, par exemple, communiqué ministre, d'où sous-estimé, voilà, non, non. Je dis juste que Heldouniak et la façon dont le ministère de la Santé est en train de communiquer, c'est vraiment déplorable. D'une part, c'est vraiment déplorable. Tout simplement parce que nous n'y communiquer à la population sénégalaise. Non, d'où non, non. Population sénégalaise, donc, il faut voir que la réalité des choses, limon am. Pas d'absence de données, pas de rétention, pas de. Voilà. Il faut leur dire les choses telles qu'elles sont. Parce que Sénégalais, tant que titul, ou tant que waxoko deug bi am, jamais il ne va se réveiller. Et c'est vraiment dommage. Malheureusement, c'est notre réalité. C'est notre société qui est ainsi faite. Donc, on doit employer une communication exhaustive. Il y a des détails qui manquent. Nous, en tant que professionnels de la presse, à chaque fois que communiqué gagne, on est obligé de remuer ciel et terre pour pouvoir soutirer d'autres informations un peu partout et pouvoir recommuniquer. Informer encore. Pour des détails, c'est vraiment ordinaire. Nous avons mentionné qui communiqué, mais des fois, tout récemment, nous avons commencé à mentionner la localité des cas communautaires. Pourquoi pas ne pas faire le même avec les cas contacts? Ban district la nuneque, fan la nuneque, parce que jeune Médina il donne manifester l'autre jour parce que voilà il y avait un incendie, voilà il y avait une famille qui sortait de quarantaine, bougnoun. Quand je vois ces genres de scènes là, je me dis que nous on est à 2 mètres de Fingenneque, famille djelnen famille, toute une famille djelnen parce qu'ils étaient les membres de cette famille là, ils ont mieux pas positif. Ñoñu buñ leen mentionné won ci communiqué bi que nit rue telle Medina fi amna cas communautaire jamais au plus grand jamais wala bok ma xamanteni dinañ dof nek ay dof de vrais idiots pour pouvoir baña lidjenti lool. Il faut que l'on communique. Moi je trouve que le ministère de la Santé il communique très peu, il communique très peu. Moi lool la gis communique très peu et de manière pas du tout exhaustive. Communication en période de crise de femmes spécificité. En tout cas, moi, c'est ce que je crois. Et en dehors même de ce que je crois, je pense que les règles sont là, les textes sont là. Alors, donc, je pense qu'il y a vraiment des choses à revoir, comme on est que nous sommes côté population. Comme on est que côté ministère, oui, comme on est que côté des forces de l'ordre et tout ça, les responsabilités sont entièrement partagées. Crise Bini, c'est une crise peut-être qui concerne le secteur sanitaire, mais ce n'est pas seulement aux médecins ou alors aux autorités de pouvoir gérer la crise. Synergie la light, c'est-à-dire nous bolo and nos rôles, la population, il faut toujours, toujours, toujours participer. Et je dis encore une fois de plus, participation citoyenne, la bonne participation, le apporter, là, moi, partition.
dénonciation. Sénégal, faut que nous ayons, si période bien nous nek, faut que nous ayons, parce que quand j'ai parlé tout à l'heure des durcissements, des sanctions, fermeté et tout ça, ça concerne l'État du Sénégal. L'État, bien que comment dire, moment ni durcler le pouvoir, nous vote-t-il qu'on nous durque le pouvoir. Alors aujourd'hui, moi je pense que bougie demain, bougie durque le pouvoir. Moi aussi, na def le temps na mériter sur nous confiance. Nous aussi. Nous, en tant que population, en tant que voilà, citoyen, nous pouvons apporter le ministère, si lutte pour nous. Non. Pas le ministère seulement, mais le monde. Parce que le Sénégal, parce que, avec le coronavirus, les gens voudront venir ici, je ne sais pas, pour diverses raisons, pour quelconque raison. Donc, c'est en quelque sorte, ce n'est pas une lutte qui concerne juste voilà, le Sénégal et tout ça. Chaque pays, pour lutter, pour progrès, c'est pour tout le monde. Pour nous bénéficier aussi. Donc, les gens, ils viennent d'ailleurs, ou alors traverser les régions du Dougoussi, ici, de Kébi. Moi, je pense qu'il faut impérativement avoir ou bien adopter, ne serait-ce qu'en laps de temps, la culture de la dénonciation. Il faut que nous nous disions, parce que parfois, nous sommes les contacter, nous sommes les filles, mais sincèrement, nous sommes les filles, nous sommes les filles, nous passant par les médias et tout ça. D'accord, je peux comprendre ça. Parce que connaît que peut-être moi am audace. Mais je me dis que parfois, bu ñu japp né lolu manque d'audace là. Mais day melni coupable bu ñu wax sax dañ nan la yow en quelque sorte tu es coupable parce que bo sétané ko xamanteni jugé na ben deuk ñeu ñibisi nga xamni ki ni ça fait un moment gisoko fi won et il vient d'arriver. Moi je pense que la meilleure des choses c'est de la dénoncer, il faut dénoncer cette personne. Mais bon amna ñu xamanteni ñi ngi jaar ci médias yi amna ñu xamanteni duñ fa jaar parce qu'ils vont juste se dire que buma ko waxé dinañ xamné man la faible bi du tiaxan. Il faut toujours tenir en compte que ni fièvre bi du kika am kessé bu doon lool la ku nek soko amé ñu bayi la sa bop. Mais pourquoi les gens se tuent matin midi soir à sensibiliser médias yi wax nañ ba son que ça soit presse écrite, presse en ligne et partout ku nek ngi wax. Mais on a comme l'impression que la sensibilisation n'a absolument rien servi, rien du tout. Donc l'heure n'est plus à la sensibilisation, il faut passer à l'étape supérieure et l'étape supérieure c'est de dénoncer. Non seulement dénoncer, mais également, quand si diap nous sanctionner là, ben sanction bo xamanteni nit dotul ñemeti transgresser règlement yi nga xamanteni mom lañ fi teural. En tout cas moi c'est mon opinion personnelle et je pense que buñ ko appliquer won quelque temps on verra bien sûr des issues très heureuses. C'est malheureux, les gens réclament confinement, mais il faut savoir que confinement de femmes lumeuil lach confinement sans discipline ce n'est que voilà perte de temps, perte de d'économie et tout ça parce que ya ngi tej ay nit yo xamanteni nga tej len nga ñak len tej yep ben la même bu amone confinement tu verras des récalcitrants, tu verras non seulement di nga tej nit yi duñu am luñu lek duñu am luñu nan et problème bi du faju parce que s'il s'agit de confinement en Europe les gens sont confinés et pourtant li xew fi mi ngi xew fofu. On ne va jamais dire que les Sénégalais sont indisciplinés. L'indiscipline, c'est partout. C'est partout. Il y a toujours des gens qui vont venir pour défier les ordres. Mais nous aussi, il faut leur montrer que les gens qui ont fait ça, non seulement montrer les gens qui ont fait ça, mais ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Mais jusque-là, est-ce que les gens ont fait ça? Ils ont fait ça. Ils ont fait ça. On les prend et puis voilà. Après, pomper l'eau en 2 jours, comme 3 jours, après, ils regagnent leur domicile. Ce qui est vraiment dommage. Nous avons une heure, nous avons une activité, mais là, on est coincé, l'économie est coincée, tout ça pour l'an. Parce que les gens ne veulent pas respecter. Dis que coronavirus, ce n'est pas une affaire d'argent, ni de moyens, ni quelque chose du genre. Nous avons l'eau, les États-Unis, nous avons l'eau, la Chine, nous avons l'eau. C'est une question de discipline, d'organisation et surtout de solidarité. Nit ki mënul di def feulé, kenen ki di yak de l'autre côté. Impossible.
Donc, moi, je pense que affaire de halal, affaire de puissance mondiale, ça n'existe absolument pas. Fille, crise B, c'est le coronavirus qui dirige et les mesures pour s'en débarrasser. Un point, c'est tout. Il n'y a pas de Diou Amna Khalis. Mauritanie, moi, je vais prendre. Ce qui m'a marqué si crise B, c'est la Mauritanie. Je le dis, hein, c'est la Mauritanie. Mauritanie, Amoul Dara. Je m'excuse, hein, les Mauritaniens. Mais c'est juste une façon de dire que affaire de question de âme. Si nous voulons comparer croissance économique Sénégal à croissance économique Mauritanie, tu vois, nous allons carrément comprendre que ni affaire de question de croissance économique PIB, IDH, ces trucs de voilà de cartésien là. Non, 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 non. L'affaire, c'est une affaire d'organisation, de discipline. Mauritanie, quand on a décrété l'état d'urgence, pas l'état d'urgence autant pour moi, couvre-feu à 18h, continuez que non, 18h, 18h, les gens étaient là pour se plaindre. Aujourd'hui, voyez le résultat. Zéro cas. Zéro cas. Ils essaient même de voilà, faire des confinements, ou alors watcher heure pour juste se voilà andak corbi et tout ça. Donc Mauritanie comparé à États-Unis ou le Mauritanie France, même pas comparable. Donc qu'est-ce qui est comparable ici? Qu'est-ce qui est comparable ici? Discipline biñu am ak respect des règles. Xamni lo def rek sa morom nga ko def. Que nga respecte li defo ko sa bop yow kessé sa morom ko def kon nga bañ ko respecter parce que respecter les mesures c'est respecter son prochain. Mais c'est vraiment dommage, très dommage de voir que des gens sont voilà, sans tête encore, s'obstinent de respecter les choses, les règles. C'est vraiment malheureux. Donc heure bi nak sincèrement nañu arrêter lepp luy ay kuy seukkat na nga def ni raxas suñu loxo lolu ouf ce n'est vraiment nañ baye yoyu mu jallu yoyu amatul yoyu ce sont des choses yo xamné même ku dëkk ba ginnaw fu kenn xamul fin fond Sénégal kok lolu kok waratu ko sax ignorer sensibilisation nañ ko téggé feulé et on passe à l'étape supérieure encore une fois. Nit ñi nga xamantene nenañ duñu respecter règles s'il le faut même kuñ ci japp baye la nga fajj sa bop on t'isole tu voilà et parfois il faut faire du yaya jamé wala il faut faire voilà de des khadafi et tout ça pour régler le pays mais bo jappé où sont les 85 jeunes de Médina 2 jours les lundi comme 24 heures après ils sont partis et pourtant promiscuité bi tout ça là est-ce que tenir nañ ci compte bolé nañ len ci ben lieu ba paré bay len ñu dem est-ce qu'ils vont s'isoler si c'est après qui d'ici à 14 jours est-ce que do am ben cas explosif de ben qui explosif de cas communautaire on sait pas donc lolu yépp bala ñu ci egg il faut qu'on prenne nos devants rôle réellement Sénégal urbi pour man. Dañ doon wax né cas yi ñi ngi def ni mais malheureusement vous voyez aujourd'hui que ñi ngi tendre vers les 800 cas ce qui est vraiment malheureux ñu tok bay wax ni Sénégal mi ci 739 cas mon dieu qui l'aurait cru tant bi ñi calculer 1 2 3 4 way dina ki là on parle de dans mon chaque 24 heures ou bien chaque 48 heures organisation discipline. Qu'est-ce que je pense, moi, nous menons. Je vais essayer de lire les questions. Aujourd'hui, moi, je veux pas faire une heure de temps. Voilà. En tout cas, moi, je me dis que il faut encore et encore. Je ne cesserai jamais de le dire. Il faut durcir les peines et sanctions parce que on a affaire à un peuple très très dégueulasse. Voilà, un peuple qui ne... la majorité respecte, les autres ne respectent pas, et puis voilà, ça va être un désordre total. Mais ni bloqué son job, ni dedans, les raisons pour lesquelles nous devons confinement total. Confinement total.
Je pense que confinement total, on va perdre du temps, de l'économie et tout ça, mais confinement total, mon Dieu. Les gens vont mourir de faim. Les gens vont mourir de faim. Il faut trouver des solutions. Si récalcitrant et Kounsi, il faut que nous sanctions Bimeti. Parce que Sénégal, lolo la xam. Encore une fois, la communication du ministère, elle est trop limitée. Trop limitée et trop vague. Comme cas au Toubabi, le décès de la dame d'hier. On nous a juste dit, voilà. Madina Dian, non, je ne suis pas d'accord. Souvent, on confond discipline et la pauvreté, non. Discipline et pauvreté, qu'est-ce qui peut confondre ça? Discipline, mais beau pauvre, non. Même si on est indiscipliné, pauvre, non. Pour moi, ça n'a absolument rien à voir. Qui a maintenu de pauvre, si on heure, défier force de l'ordre. Ce n'est pas parce qu'il est pauvre. Pauvre, moi, je pense pas que quelqu'un aurait fait ce genre d'amalgame. Je ne crois vraiment pas à cela. Il n'y a de sabbat, la communication est mauvaise. Bon, je ne vais pas dire mauvaise, je ne vais pas dire mauvaise quand même pour dire cataloguer et tout ça, mais il faut avouer et admettre que la communication ministère desna. Balangé communication ministère desna, nous durerons vers 10 heures. Moi, en tout cas, en tant que journaliste, je me casse la tête pour avoir des infos de détail. Détail, je vous dis, détail. Nombre de cas par localité. Lol, ça devrait être vraiment automatique. Webmaster, Google Code, Raktak, Google Code. Mais, dingue, maintenant, ce que j'ai souligné encore et remarqué, moi, Google Code le matin. La répartition des cas, nous avons accédé à ce site pour pouvoir recueillir ça et traiter l'information. On n'a plus temps à Montunko parce que nous avons duré entre 10 heures, entre plutôt 11 heures, midi, mais maintenant, ça ne se passe plus comme ça. Depuis où est Corbi, vous me commencez bataille, nous avons répartition, nous avons duré vers 22 heures, nous avons préparé Ndogo et tout ça. Je ne sais absolument pas pourquoi, mais l'heure a été changée de manière vraiment très rapide. Donc, Bounotouni Amdara attend. En plus, il y a incohérence au niveau des chiffres, des données. Parce que tout à l'heure, quand je suis entrée sur la plateforme, j'ai vu qu'il y a des cas de moins. L'homme, c'est vraiment inadmissible, des cas de moins. On peut même concevoir des cas de plus, mais des cas de moins. Goudiri, il y avait 58, il y avait 56, non plutôt, il y avait 57 hier et aujourd'hui, il se retrouve avec 56 cas. Il y a également Dakar Nord, je pense, ou bien Dakar Centre, quelque chose comme ça. Pareil, non-loan aussi. Donc, moi, pour ne pas trop me hasarder à donner des chiffres, après Denis que d'ici polémiquer, j'ai trouvé nécessaire ou bien j'ai jugé nécessaire de zapper pour aujourd'hui par rapport à la répartition. Aussi, point bimo soulever de communication bi moyenne incohérence parce que souvent les wakani amneka des autorités des sources autorisées. Ils les voir carrément que ni amener café enregistrer un café, mais après quand tu contactes un agent du ministère ou l'engagement de cette brochure, d'autres font cabi. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe réellement. Ou alors nous annonçons bien cas, tu appelles le médecin chef. Excusez-moi. Il te dit que non, fermement et catégoriquement à Oumaka. Enregistré au Ben cas, ça m'est arrivé une fois. Alors là, ça devient grave, ça devient, ça part dans tous les sens. Quelle information donner? Un jour, j'avais donné une information comme quoi Bignona avait un cas et jusque-là,
nulle part ce cas de Bignona. Et pourtant, c'est approuvé par le préfet. C'est confirmé par le préfet. Cœur Massard également, il y avait un jour, on a dit que Cœur Massard a enregistré un cas. On a appelé les gens qui se trouvent là-bas, des sources autorisées, et elles nous disent qu'il n'y a pas de cas. Et encore, yenen yo xamanteni bari na, munu ñu wax lepp, mais il faut réellement que l'on revoie la manière de communiquer. Nous sommes en temps de crise. Et la communication de crise, d'affaires spécifiques, d'affaires à critères spécifiques. Dites à la population sénégalaise la réalité. Même si elle est triste, il faut dire la réalité des choses parce que c'est la meilleure manière de sensibiliser. C'est la meilleure manière de sensibiliser. En attendant de souffler, je vais lire quelques questions. Nous nous éloignons de la science, les politiques occupent trop de la scène. Oui, Ismaïl Ndour, ce point est beau, de femme importance. Tu sais, Sénégal, crise B, c'est en fait, cette crise-là, elle est trop révélateur. L'état de la société sénégalaise, les défaillances. Une priorité et tout ça. Donc là ça montre crise bi en un moment est-ce que ça elle est venue le virus là il est venu pour peut-être remettre de l'ordre dans la société parce que bogi c'est liñuy def temps yépp c'est en fait lolu lañ waron adopter dans la vie normale mo waron nek mais voilà, on était concentré sur les chantiers, les terres, les croissances économiques, les PIB, les rôles, les tabacs, les arènes et tout ça. Maintenant, carrément, où sont réellement les priorités, où se situent les priorités. Ce qui veut dire que l'une dans le vous voyez que les chantiers, beaucoup de chantiers ont été suspendus. Donc, nous avons une question sanitaire, hôpitaux, centres de santé. On n'entend parler que de ça. Ce qui veut dire que là, c'était le vrai problème et les vraies priorités, c'était vraiment santé. La priorité, c'était vraiment la santé et le secteur sanitaire. Alors, et c'est trop tard parce que nous avons de construire un hôpitaux. De droite à gauche, essayer d'implanter des préfabriqués et tout ça. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Wakhalak ni di war confinement au Sénégal, c'est impossible. Légui ni nek France, xamna confinement d'aller ner. Confinement, au fait, nous avons une bonne chance. Je le disais l'autre jour, nous avons une bonne chance. Moi, au moins, on a eu la chance de prendre des leçons bien d'apprendre à travers la Chine et les autres pays d'apprendre un peu du coronavirus quel bon genre de virus là sur le plan économique là le nous mena yakal là le nous mena défaral et tout ça donc ils n'avaient pas eu cette chance là nous au moins avons une chance au moins largement le temps d'étudier le virus quel côté boumou nous mena affaisser son économie et tout ça, la population, mais on dirait que voilà, on était des spectateurs face à cette menace. L'Olmotard-Urbi, quand on parle de confinement, encore une fois, le Sénégal n'a pas le moyen de faire un confinement. Mais bon, quoi de fait, ça va être très difficile parce qu'à coup sûr, des gens vont mourir de faim. L'Olmom, il faut carrément le prévoir. Mais l'Olmom, c'est pour. C'est pas à long terme, c'est à court terme. Qu'est-ce qu'ils vont faire? L'État ne va pas encore débourser. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Mais l'État, est-ce que l'État aura la capacité de débourser? Et même s'il va débourser, est-ce qu'il va couvrir toute la population? Donc, c'est à court terme. L'aide d'urgence alimentaire, ce n'est pas à long terme, c'est à court terme. Il y a des sacs de 50 grammes, 10 litres d'huile, 18 briques de savon, tout ça là, 18 briques de savon, dans 2 mois et que le virus, par malheur, continue de faire ses ravages, qu'est-ce qui va nous arriver?
L'insécurité alimentaire va s'installer. Que ce n'est que tal sabop, parce qu'on n'a pas les moyens de se ravitailler encore. Donc, il faut que l'on prend les devants dès à présent. Essayer de voir quel genre d'organisation, quelle stratégie prôner. Tout ça n'a sous basement, c'est-à-dire base bi, communication bi là, ministère. Il faut qu'ils nous aident. Qu'ils nous aident, nous qui sommes dans la presse, mais aussi les populations. Parce que ni qui titre comme ça pour nous régler, l'autre, c'est une manière peut-être indirecte de l'aider à rester chez lui. Mais avec cette forme de communication qu'il est en train d'employer, sincèrement, les gens ne vont pas être ébranlés. Ouais. L'autre monde, il faut que nous ramènions une bonne fois. Les gens sont là, mais ouais. On est le 27 avril, des gens disent que Corona a mort au Sénégal. Catastrophique. C'est vraiment catastrophique et c'est malheureux en même temps. Pensez-vous que les marabouts ont joué le rôle? J'évite vraiment d'entrer dans ce sujet assez sensible parce que vous voyez ce qui se passe. Ces derniers temps, on ne veut pas, nous qui sommes en train de donner des informations, il y a des villes qu'on n'ose pas aborder. Donc, moi, je zappe pour éviter des insultes, bien sûr. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas que l'on parle de certaines villes. Si le confinement n'est pas une solution, ni adapté à notre pays, donc, qu'est-ce que vous suggérez? Moi, je l'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que, puisque Tognagn 5, comment il s'appelle encore, Mamadou Ndiaye, Tognagn, bientôt 2 mois, nous sommes sensibilisés, dara sortoul. Et pourtant, nous savons qu'on est comme commerçant, comme politicien, comme ouvrier, quoi tu vois, mesure, limoy geste barrière. Amoul, man, je ne pense pas que ñak bëgg baña xam mo fi nek wala di ñak xam xam lu mais amoul kenn ku mëna taxaw ni la xawma geste barrière yi xawma mesure de prévention yi pour man lolu amoul donc bu nekké ñëpp xam nañ ko à l'unanimité ñëpp xam nañ que ni li moy mesure yi li lañuy conseiller li lañ préconiser et pourtant nit ñi ñi ngi continuer toujours encore et encore di def li leen di téré. Donc, affaire de défaillance au niveau de la sensibilisation. Non, 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 non. Défaillance, il faut fêter moi au niveau soit de la communication ou de l'application des mesures, le suivi et surtout solidarité pour la population envers ces gens-là, envers les ministères, envers les autorités. Donc, autorité, c'est une part. Je lui ai suggéré, comme il me l'a demandé tout à l'heure, moi, Kani. Nous avons des sanctions sévères, même si ce sont des sanctions inédites, des sanctions, je dis bien, inédites. Parce que vous avez vu à Russie, Poutine, l'autre jour, là, dans le noir, 5 ans de prison. Soit vous restez chez vous, soit vous risquez la prison et pour 5 ans. On voit que ce sont des sanctions, limite, le gars, là, il est malade ou quoi. Mais pourtant, c'est des choses à maintenir. Il faut toujours agir selon la personne, selon notre destinataire, selon notre interlocuteur. Non, nous avons de communiquer avec nous. Parce que de communiquer, c'est-à-dire, mousse ou les chiens, soyez communiquer avec nous, de voir avec nous, de beaucoup avec nous, avec nous. Donc, chaque personne, chaque interlocuteur, nous avons communiquer avec nous pour nous dégager. Mais la façon où. La façon dont le ministère communique, c'est vraiment à revoir. Parce que ça n'ébranle pas du tout certains Sénégalais. Et de notre part, l'IME suggère, nous, en tant que population, nous dénoncer. Nous devons dénoncer les migrants. Parce que, quand nous avons ces régions, il y a accès à des voisins. Donc, nous avons peur. Il faut que l'on dénonce. Une culture de dénonciation toujours nous voir dîner deux ou une fille et surtout aussi nous appeler ce numéro vert oui parce que numéro vert que de nom numéro vert
Mais il n'y a absolument rien. Tu appelles sans succès, tu appelles Moussonet, mais Tahirlo. Les gens vont être dissuadés. Après, vous nous dites, non, à aussi. Après, tu vas essayer d'être là à apporter des solutions alors que tu avais eu l'occasion de freiner ça. Maintenant, on est à l'étape des solutions. Non. Il faut dénoncer ces gens-là qui ne veulent rien respecter. Qui ne veulent rien respecter. Il faut les dénoncer. Parce que dénoncer les armes, ça va pour là. Ouais. Quelle est la meilleure solution? Je pense que toi, tu nous as pris... désolé, je vous tutoie. Vous nous avez pris en cours. Parce que je pense que c'est pas la même chose. Poutine a prendre toutes les mesures d'accompagnement. Oui, c'est vrai, les mesures d'accompagnement, c'est vrai. Mais Madina, il faut toujours mieux agir avec notre culture. 15 jours, on va essayer de faire un test. 15 jours de test. Et s'il le faut, pourquoi même pourquoi pas des confinement partiel? On ne peut pas faire confinement total. Même moi, j'ai tout le temps été contre le confinement total. Oui. L'outil ni Dakar à Touba, nous avons le virus faut le EP. Dakar, on note vraiment des centaines et des centaines de cas. Donc, au moins, nous rôlons. Étape de fait tarder toujours à la prise de décision. Et ça aussi, c'est vraiment malheureux. Parce que le fait que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Crise bi ni ñu nek. Réactivité la lach. Réactivité pour inouïe, s'il le faut même, le lach. Au niveau sur le plan des décisions. Il faut que nous réactifs. Gaou def lu ñuy def parce que xaru. Maintenant, le temps ne compte plus. C'est seulement le coronavirus qui compte. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de... Voilà. L'ouverture, tout ça là, annoncé à 4 mai, ou la reprise des activités, ou tout. Ce n'est pas le temps qui compte. Ce n'est absolument pas le temps. Le temps ne compte plus. Virus bi ensemble, c'est le seul maître, moi dirigé. Donc, essayons de dire le virus bi organiser les choses. D'accord. Maintenant, Marol, il est 11h, donc je lis quelques commentaires et j'essaie de terminer le direct. La solution est d'acheter les remèdes malgaches. Ouais, on attend de voir. Remèdes malgaches. Il y a des gens qui contextent avec RFI en plus qui fait une campagne de diabolisation. Je vous invite tous à aller voir RFI ou bien écouter RFI. Qui est en train de faire une campagne de diabolisation sur ce remède malgache. Affaire Boha Mantenis. Ken Hamoul Sarno Koumoun Toudé. Chaque jour, nous avons un article pour montrer que nous voilà discrédité remède Bobnon Gaha Manteni, Afrique le Djougué. Donc, il y a Anguissou Roche, des gens qui essaient peut-être de minimiser. Nos recherches, notre expertise et tout ça, c'est malheureux de voir ça. Surtout venant de RFI. Chaque jour, ben article ou bien deux ou bien même plus par jour. C'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable. Astou, peu de guéri, autant de cas, expliquez ça. Ben, LOL aussi, c'est très important à expliquer parce que, vous savez, on a rehaussé le nombre de tests, c'est-à-dire qu'on commence à augmenter, même si on ne fait pas des tests massifs, c'est-à-dire tests volontaires. Malgré que les tests sont des milliers, on fait jusqu'à même 800 et quelques tests. Donc, ce ne sont pas des gens qui se sont juste signalés comme ça volontairement pour faire de tests, mais ce sont des cas suspects. Et des cas qui ont manifesté quelques signes et tout ça. Donc, normal, moi je me dis que quand il y a test record, il va absolument y avoir cas record. Première fois, nous avons cas 69, nous sommes petites. Et pourtant, jour bob, non, c'était vraiment normal parce qu'on a fait, je crois, 500 et quelques tests ou 600 si je ne me trompe. Donc, c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose de, je trouve, normal. Donc, guéri, il m'a monné que des watch. Ce qui est vraiment dommage d'avoir
guéri par jour comme aujourd'hui, ça ne rassure pas du tout. Ça ne rassure pas du tout. Donc, moi, je pense que test bini d'avenir, nous n'y dans l'âge, même si que du test bini sort là, mais sont juste des tests réalisés sur des cas suspects. Espérons que peut-être d'ici à quelques temps, nous allons procéder au test massif pour voir réellement combien. Et pour ce cas-là, nous allons entendre des 1 000 par jour. Et des gens vont encore, voilà. Et la chloroquine qu'on a en stock. Oui, on avait dit que le Sénégal a un stock suffisant de chloroquine. Chloroquine. Donc, mounoumayakane manque de chloroquine là où elle qui est rupture. Ouais, je pense pas du tout. Aux médias africains, dans leur globalité, d'imposer la bonne information concernant la découverte malgache et surtout de vous que vos interlocuteurs, c'est le peuple africain. Oui. Vous savez, cette crise-là, je pense que africain est aussi amené une partition. Bon, c'est pas l'africain seulement, mais tout le monde, jusqu'à Afrique-fille, ça doit l'inspirer à aller sans Ken Siginam, sans les Occidentaux. Ouais, parce que Nigini top. Aujourd'hui, les Nigam réellement, l'an autosuffisance alimentaire d'Ondjerine, l'an la consommation locale d'Ondjerine, l'an c'est-à-dire promotion de comment dire encore, c'est-à-dire tout ce qui vient de des produits locaux et tout ça, les Nigam, parce que Amotunyu, exporter, importer et tout ça. Donc, on va carrément se focaliser sur ce qu'on a. Urbi, bounou, promouvoir les jeunes qui sont. Au Sénégal, il y a des jeunes vraiment géniaux. Nous avons maintenu sur le côté recherche, boulot et expertise. Ken Raoulen, c'est Adunabi. Mais c'est parce que promouvoir l'Union. Ken promouvoir l'Union. Urbi, bounou, ben code bob. Ou le Jorlen, opportunité. Promouvoir les et surtout promouvoir les ramener même les ni bail fici de kbi. Donc aujourd'hui d'office des guyennes scandali aïtier bifi nuit d'homme de jeli aïtier felé nommé ce n'est agriculteur qui condamne l'on nous appelé et sur tous les plans si ça serait comme ça que tu n'es que ces domaines bien n'est que nous ramener Sénégal encore et de forêt mais c'est vraiment dommage. Alors tout herbe agberté quand il a démarré avec ce Covid lol c'est rangé aux oubliettes parce que je pense que duñ fi xol halis bu waron duggu ci biiru nit ci ñu war ko lek ñukay jox train mu koy lek. Je suis vraiment désolée lol mom instant bi je pense que terre agberté mom on peut les ranger aux oubliettes pour le moment. Merci beaucoup. Au début, il n'y avait plus de guéris, mais là, il y a 5 guéris. Ouais, 5 guéris parce que 5 guéris, d'ailleurs, c'est nous aussi. Parce que au début, on avait des 20 cas, 15 cas sur 5, des nanas. Ah, ça va quoi. Mais maintenant, quand on parle de 60, 69 cas, un guéri, deux guéris, ça ne représente absolument rien. C'est parce que ça joue aussi ce nombre de tests de pourquoi le nombre de maladies hospitalisées dépasse largement le nombre de guéris? Oui, je l'ai dit. J'ai répondu sur ça. Loire à nos dirigeants, le problème est que partout dans le monde, on se cherche des solutions. Nos leaders, évitons de mêler à politique politicienne. Ouf, comment c'est Nasson, non? Je ne vais pas pouvoir répondre à la sortie de professeur Seydi. Louable. Louable. La sortie de Seydi, rien à dire. Il a dit ce qu'il a constaté, il n'a rien dit de diable. Il n'a dit que ce qu'il a constaté. On lui a reproché juste d'avoir parlé peut-être publiquement. Mais moi, je me dis que, est-ce qu'il a eu ce qu'il voulait en interne pour pouvoir voir en interne? Est-ce que... À part ça, moi, je trouve que il est dans son droit et dans son devoir de parler et de, voilà, alerter.
Donc, quand on lui reproche de n'avoir pas utilisé la communication en interne, moi, je me demande tout simplement, est-ce qu'il a été satisfait par cette forme de communication? Si c'était le cas, je pense qu'il ne ferait pas la communication peut-être de manière très publique et bien de manière très avant-gardiste. Est-ce que les forces de défense jouent leur rôle? Oui, mais ça reste toujours. Ils ont fait quand même des projets. Parce que beaucoup les confinements, beaucoup les maintenant le confinement, je couvre. Je suis vraiment traumatisée par le confinement. Couvre-phobie, ce rôle est couvre-phobie. Yann Kiyunidef, CJI et tout ça, tu vois qu'ils sont en train quand même de travailler, de faire des progrès. Mais il faut admettre en même temps que ni Amnaloudès, l'Olmoum, il faut être vraiment réaliste pour le dire. Amnaloudès, il y a des défaillances un peu partout, qui secteur, Boutinek. Ministère de l'Intérieur, même ministère du Transport aussi, il y a des employés, parce que Bini décrète état d'urgence, je le répète encore une fois, il fallait prévoir tout cela, tenir en compte tous ces paramètres-là, savoir qu'il y aura toujours des gens qui étaient pour dire si on ne souffre pas, pour doubler une région. Mais il fallait prévoir tout cela. Quelque chose qui n'était pas imprévisible. Mamadou Yacoub Diallo, Mounou coupe chaîne de transmission, oui. Chaîne de transmission, bon, là, ça va être très difficile. Et j'attends vraiment à ce que le ministère de la Santé ait le courage de faire face à la population sénégalaise et leur dire que la situation n'est plus sous contrôle. J'attends vivement ce jour qui tarde. Ça tarde, je trouve, parce que la situation actuellement, 14 cas communautaires par jour. Qu'est-ce qui peut, non mais qu'est-ce qui peut dire qu'avec 14 cas communautaires par jour, comme aujourd'hui, la situation est contrôlable. On attend vivement cette déclaration qui doit être officielle. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous avons 86 cas communautaires. On ne peut pas retourner dire que la situation est contrôlée. Il faut sortir et dire les gens, affronter la situation et leur dire que voilà, la situation est comme ça, ni le mal, malheureusement. Nous pouvons nous dire que nous sommes ni alors, on va essayer de le faire une prochaine fois, puisque depuis le 3 avril, là, je ne fais direct sur Facebook. Je me suis dit que je vais juste faire ça parce que Instagram, il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils n'ont pas de compte là-bas. Donc, voilà. J'ai préféré faire aujourd'hui en direct. Alors, on se capte peut-être dans les publications. Je réponds aux messages, hein, moi. Sous ma main temps, je réponds aux messages. Je n'ai pas ce problème. Je réponds aux messages. Aux messages, voilà. You am getting surtout. Donc pour les questions là, je peux les répondre plus tard si j'aurai le temps, Inch'Allah. Abdoulaye Gueye, merci. Pourtant, j'ai répondu à ta question, Léguiné, tout de suite même. Allez, merci à tout le monde. Coucou aux amis de Astudion, Fodé, Azisamb, Ben Sar. Merci à vous, c'est gentil de votre part. Allez, au revoir.